Salut, salut les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Petits Plats de Ariane. Aujourd'hui, je vais vous parler des flocons d'avoine et d'une autre façon de la faire sous forme de foufou pour manger nos sauces, nos légumes. Les amis, je vais vous demander de vous abonner massivement à ma page, partager, liker et commenter, je vous répondrai au plus tôt. Là, vous avez les flocons d'avoine. Vous pouvez les écraser pour les rendre en farine, mais moi je vais les utiliser comme ça. Donc dans une poêle, j'ai préchauffé de l'eau et ensuite je vais rajouter les flocons en les remuant constamment. De laisser tremper les flocons pendant 30 minutes à 1 heure avant de les cuire. Ça raccourcit tout simplement la cuisson. Comme vous voyez, je vais remuer constamment jusqu'à ce qu'il ne bouille plus. Et si la bouille est trop solide, je peux en rajouter de l'eau jusqu'à obtenir la consistance désirée. C'est un aliment complet, équilibré, riche en fibres et en protéines, excellent pour perdre du poids, pour des personnes diabétiques, pour toute la famille enfants, grandes personnes âgées. Vous voyez, je vais remuer et petit à petit, notre foufou est en train de se former. Donc je vais tout simplement continuer de remuer, de tirer pour que ça donne bien notre consistance, notre foufou. Et voilà les amis, notre boule de foufou d'avoine est prête. Nous pouvons la déguster avec nos sauces, légumes, gombo, nos rôtis.
Voilà, je vais aujourd'hui la déguster avec une belle sauce de gombo. Et la recette de la sauce gombo, vous la trouverez en description de cette vidéo. Voilà les amis. Sauce gombo, foufou, foufou, sauce gombo, foufou, foufou, sauce gombo. Au revoir les amis, au revoir.